Bon voilà, c'est le jour J pour moi, je dois partir à Paris pour moins de 24 heures, donc ce qui veut dire je vais rester exactement 14 heures à Paris. Donc voilà, là je quitte San José, Californie, donc là je me rends à Paris pour à peine moitié de journée et je refais demi-tour. Tout ça c'est pour changer en fait ma carte qui va expirer. Donc voilà, la galère quand tu es étranger, tu es obligé de te déplacer et d'aller en France, d'être là physiquement pour venir récupérer, changer tes papiers, quoi. Voilà. Donc là, j'attends mon Uber qui arrive. Et je me rends à l'aéroport de San Francisco, direction Paris. Et j'ai un escale à Islande, je sais plus où. Donc voilà. Voilà, là je pars tôt le matin là, il est exactement 8 h. Donc là je m'en vais à Paris, comme j'ai déjà dit. Voilà, il fait un peu froid là dès le matin, mais bon. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai mon passeport et tout est déjà là. Parce que moi des fois je suis tête en l'air. Voilà, c'est la petite résidence où j'habite en Californie. À San José, exactement. Ah, mon Uber, il est là, je crois. Voilà, mon Uber, il est là. Donc, on va partir. Yeah, à bout. Let's go. Un peu bac là, donc ça roule doucement, mais je suis bientôt arrivé à l'aéroport. Voilà, je suis un peu fatigué et là j'ai 14 heures de vol, ça va être long et en plus je vais faire moins de 24 heures sur Paris, exactement 14 heures je vais faire à Paris et je reviens le lendemain, je repars le lendemain, donc ça va être super chargé quoi. Bon, c'est la première fois que je prends cette compagnie qui s'appelle Wow Air. Je sais pas trop ce que ça donne, mais bon, on verra bien. Mais bon, je voulais pas payer grave cher pour juste un aller-retour pour moins de 24 heures sur Paris. Donc, voilà, j'ai pris le moins cher. J'espère que c'est une bonne compagnie. Voilà, là, du coup, je vais manger juste avant de monter, juste avant de partir dans les contrôles là. Donc, t'as pas droit aux canettes, donc. Je vais boire mon Sprite juste avant. Parce que sinon, c'est tout ça à la poubelle. Voilà. Donc là, je vais essayer de manger un peu avant. Parce que j'ai faim. Il est 8 h du matin. Et la journée, ça va être longue dans l'avion. 14 heures de vol. Donc voilà. On va essayer de charger un peu le ventre. Voilà. Bon, on va aller passer la sécurité. J'ai fini de manger. Donc on va aller se diriger dans la sécurité là. Voilà, ça va être long. Contrôle d'identité. Thank you. Ouais, c'est bon, j'ai passé les contrôles, donc là je suis arrivé là. Mon avion est en retard de 1 heure je pense. Je crois ouais. Ouais, 1 heure, il est en retard d'une heure, donc là au lieu de partir à 11 h là, je pars à midi. Donc voilà, là je vais devoir attendre ici là. Ouais.
Au lieu de partir à 11h, il part à midi, donc là je vais devoir attendre 1h. Enfin, là il est 10h, je vais attendre 2h là. Je suis arrivé trop en avance. Putain, y a la queue. Voilà, enfin, après deux longues heures d'attente, là enfin je vais rentrer dans l'avion quoi. Et encore la queue même pour rentrer dans l'avion. C'est incroyable cette compagnie. J'ai jamais vu ça. Arrivé à Iceland, il fait super froid. Vous pouvez voir la neige dehors. Et 6h du matin, Iceland. Je pars pour Paris. Je suis trop fatigué. Encore 4 heures de vol. Bonjour, je suis Tchoukhara Traoré. On va faire un petit tour à la boutique d'Adidas car je suis sponsorisé par Adidas. On va aller prendre des petites affaires là avec le grand-père. Voilà. Ouais, donc on va à la boutique PSG jeudi. Boutique Adidas, ouais. Comme il a dit, on va aller prendre quelques affaires. Alors on est sur les champs là, je repars demain. Donc je suis juste venu pour moins de 24 heures sur Paris et je repars demain en Californie, à San José. Donc voilà. On va faire un petit tour dans la boutique PSG. Putain, il fait froid à Paris, c'est incroyable. Il fait super froid à Paris. Là, j'étais habitué à la météo en Californie. Il faisait plus beau, il faisait 17 degrés et là, je sais pas combien, mais ça caille. J'ai bien fait de prendre mon manteau parce que j'étais pas sûr qu'il faisait beau aussi. J'avais bien raison. En tout cas, ça caille ici. Voilà. On va aller faire un petit tour dans la boutique PSG. C'est parti. Et faut quand même pas que quand tu tiens.
Voilà, on fait un petit tour dans la boutique PSG. On essaie de repérer quelques affaires là. Voilà, il y a mon frère qui est arrivé. On va à la boutique Adidas pour le sponsor de mon petit frère. Vous voulez commencer par quoi? Là, ils ont 2000 € d'achat à faire pour Adidas. Donc voilà, c'est parti. Je fais un petit vlog. Voilà. Ils savent pas par où commencer, ils sont perdus. Bon, je vais vous aider. Bon appétit. Et bien. Et moi les gros mangeurs là. Non, si.